s'en va bientôt dans l'espace. On s'en va bientôt dans l'espace. Tout cela. Eh oui, vraiment. Tu as fini tout à coup préparatoire. En fait, il m'en reste un seul. Et puis ensuite, ben, il y a l'examen final. Mais c'est encore beaucoup de travail, mais je sens qu'on y arrive, j'ai vraiment hâte. Et je voulais aussi vous dire, parce que cette semaine, je suis allée voir Yeshua, Son of God, comme je vous l'ai dit l'autre fois. Et puis, c'est vraiment un bon garçon, là. Et on s'entend super bien ensemble, puis je pense qu'on va être des bons amis. Je suis vraiment contente. C'est génial. Tu as fait un bon choix d'amis. Il pourra t'influencer positivement et t'aider à te rapprocher de Dieu. Vraiment, puis en plus, devine quoi? On a commencé à prier ensemble à l'école, c'est fou! Je suis impressionnée. Ah oui, mais tu sais, je vais vraiment avoir besoin de Yeshua, Son of God, dans l'espace, parce que, tu sais, on s'en va à la station internationale, station spatiale internationale, et puis une fois là-bas, et en fait, on doit aller à l'extérieur des fois pour faire des réparations de la station spatiale. Alors, on s'accroche à un câble qui nous tient à la station spatiale, et on est comme en orbite. Ça peut paraître cool, mais c'est vraiment dangereux. Alors, c'est un peu stressant. Et puis, en fait, là, s'il arrive quelque chose, pendant qu'on est en train de réparer, que le câble se brise ou qu'il y a une urgence, on peut se retrouver dans l'espace, dans le vide, et vraiment en danger. Et puis si, en 10 minutes, on n'arrive pas à retrouver la Station spatiale internationale, ben c'est sûr qu'on meurt. Donc, c'est vraiment inquiétant. Et puis là, ben moi, je vais être en équipe avec Yeshua. Puis je suis vraiment contente parce que j'ai confiance en lui, puis je sais qu'il va pas m'abandonner parce que c'est vraiment un bon gars. Et j'ai bien choisi, là. Ça va être parfait. Il est un véritable ami, alors. Seras-tu un véritable ami pour lui aussi? Ah ben oui, c'est sûr que je veux être un bon ami pour lui. C'est vraiment important pour moi. J'ai quelques trucs pour toi. Poursuivons notre quête pour avoir un caractère selon le cœur de Dieu. Oui, d'accord, j'écoute! Tu parles d'une belle histoire! C'est vraiment impressionnant! Super! Oui, ça l'est. Et c'est surtout une leçon pour nous tous. Nous pouvons rechercher la sagesse dans nos amitiés en étant un ami fidèle. Hey, tu parles, hein? Et je savais pas que ça demandait autant d'efforts, autant de choses que d'avoir un caractère selon le cœur de Dieu. Ça demande vraiment d'être persévérant, hein? Wow! Oui, et ce n'est pas terminé encore. Oh non! Alors, on se dit à la semaine prochaine! Oui, nous serons tous là. Yes! Je serai là! Bye!